Alors, comme vous pouvez voir, là, je vais appuyer sur la vanneugière. Donc, celle-ci reste bien fermée. J'ai supprimé donc la partie électro-aimant. Et donc, ce petit tuto va être fait très rapidement pour vous expliquer comment, en tout cas, désactiver la vanneugière. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, la vanneugière reste fermée automatiquement. Il faut appuyer pour pouvoir en fait l'ouvrir. Donc, c'est ce que vient faire cet électro-aimant quand on le place ici. Donc, avec, vous voyez, le petit bitonnion. Donc, quand on le place, quand on le visse, voilà, ça va rester comme ça. Et à partir du moment où il y a l'électricité qui est injectée dans l'électro-aimant, ben, ça vient pousser. Donc, ça vient pousser au final la vanneugière qui s'ouvre et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est raser ce petit bitonnion qui va venir à l'intérieur. Donc, comme ça, ben, en fait, l'électro-aimant ne pourra plus le pousser, ou en tout cas, il arrivera dans tous les cas à embuter. Voilà, ça c'est parfait. Voilà, comme ça. Donc, il arrivera à embuter, et puis je pense que je vais le faire tout simplement avec, avec un disque. Voilà. Un disque, bon après, si vous pouvez vous pouvez vous amuser à le faire à la scie, mais j'ai commencé à essayer et c'est pas forcément, enfin c'est assez robuste l'artiste, donc voilà, ben bon courage à tous.